Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jérémy 350. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle saison de Mario Kart Tour, qui est du coup la saison des Yoshi. Des Yoshi. Voilà, c'est bon, j'arrive à le dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Bon, alors, malheureusement, écoutez, on est passé à l'heure d'été, donc ce qui veut dire que maintenant, Mario Kart Tour, bah, on fait à 8h, donc c'est pour ça que, au moins, c'est pas. Maintenant, je me réveille tous les jours à 7h, donc. Donc voilà, donc oui, avant je me réveillais à chaque fois dès que la saison commençait. Là maintenant j'ai 1 heure. C'est-à-dire que de toute façon je me réveille toujours à 7 heures, hein, ça change pas. Hein. Donc là maintenant j'ai une petite heure pour me préparer à la saison. C'est bien, mais bon, après le problème c'est que j'ai moins de temps pour tourner la vidéo, quoi. Parce que généralement je pars vers 9 heures. Bon, ça change toujours pas le fait que c'est la saison des Yoshi, ça c'est clair. Saison de Yoshi disponible. Vous avez vu, les défis sont terminés. Hein. Défi de printemps sont terminés. J'ai obtenu Yoshi noir. Défi de printemps 2 cette fois-ci, mais pour Yoshi blanc. De toute façon, je m'en fous, j'ai les 3. Donc écoutez, j'ai les 2. Pas besoin, j'ai tous les Yoshi. Alors écoutez, voilà, un objet du jour dans la boutique. Ok, objet du jour et. Ticket de limite et pièces d'amitié, très bien. Évidemment, il y aura toujours les 3 premières places d'affilée. Le plus chiant. Placement est fini. C'est une première place. Bon, ça va pas changer le fait que ça va me donner masque à orange, mais bon. Bref, ça fait quand même du 30 rubis déjà au lieu de 25. 2 bits de pièces, c'est du 8 mit, du limite x 8 déjà. C'est déjà mieux. Cette fois-ci, regardez ce qu'on a. Yoshi bleu ciel. Je vais regarder, est-ce que j'ai besoin de Yoshi bleu ciel? Eh bah oui, j'ai absolument besoin de Yoshi bleu ciel. Bleu ciel. Je vais quand même regarder quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas par hasard de Yoshi bleu ciel? Il y en a les deux colorés. Oui, il est clairement uniquement dans cette ligue. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'utilise des tickets ici. Malheureusement, je vais devoir sacrifier des tickets ici. Ici aussi, je vais devoir sacrifier des tickets. Mais encore ça va, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Et bah, je pense que ça va être level 6. Hein. Ça me sert souvent, ça. Le désert Yoshi, bah, Migold, hein, facile. Hein. Migold, et il y aura. Il y aura malheureusement des sacrifices d'amélioration. Et ici aussi, il y aura des sacrifices d'amélioration. Notamment Miwiggler, je pense. Qui va être level 6. Ils me disent que je dois acheter quelque chose dans le shop, ça c'est clair, donc ce que je ferai plus tard. Évidemment, on commence avec Yoshi au pack chasse aux œufs. Bon, je vais pas l'acheter pour le moment, Yoshi chasse aux œufs. Pas pour le moment. Ce que je vais acheter pour le moment, c'est juste ça. Voilà, je vais utiliser un ticket de limite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Bah, forcément. Ok, l'œuf d'or et tout ça. Ok, très bien. Ce que je vais utiliser, c'est un ticket de limite. Si tu veux, mon gars. Voilà. Et les petites pépites. Un chef wheeler. Lol. Le pauvre, à chaque fois il se prend par moi. Bon. Alors aussi maintenant on va regarder qu'est-ce qu'il y aura normalement dans la deuxième partie de saison. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai Larry. J'ai ça. Et ouais, clairement, ça c'est level 6. Hein. Ça c'est level 6. Hein. Ça c'est bon même. Ça on va mettre direct level 6. Hein. Ça c'est bon, c'est direct level 6.
Je vais pas le caper pour le moment. Je le caperai plus tard, mais je le mets direct level 6, hein, parce que ça me sert beaucoup, ça. Là, j'ai le Mi Coin Box. Parfait. Avec pas mal d'LPS plus. Très bien. Et là, c'est là où je vais avoir du problème. Parce que bon, forcément, il y aura Pushy qui sera en... Pushy sera bel et bien en lumière la saison prochaine, dès la seconde partie. Mais c'est là où forcément j'aurai pas grand chose. Et ouais, regardez, j'ai pas grand chose. J'ai vraiment pas grand chose à part à peine un kart et un Mi, quoi. Mais surtout, où est-ce que je vais devoir carry? C'est ici. Parce qu'il va me falloir surtout ça. Il va me falloir ça. Surtout. C'est surtout ça que je vais devoir. Ou je vais devoir malheureusement finir dans le top. Heureusement que là j'ai le Mi Gold pour me carry. Et là j'ai. Bah rien, techniquement. Après, je pense que ce pourra améliorer, ça va être certainement un Mi, du genre certainement peut-être le Mi Wiggler, parce que c'est une Giga Banane. Une Giga Banane et ouh, il a quand même pas mal, hein, il a quand même pas mal. Hein. Donc certainement lui que je vais améliorer. Voilà. Mais bon, pour le moment, on va arrêter de papoter, on va commencer à jouer, on va direct jouer sur DS Maison de l'Aube. Bon. Là, mon but c'est de tenter de faire un peu. Voilà, de toute façon, je m'en fous du score. Hein. Mais de faire un bon truc, quoi. Pas forcément. La générale. Ah, bah lui, il s'est pris l'aller-retour. Ouh, j'ai failli me la reprendre. Oula, c'était. Giga chaud. Je me suis fait prendre par un boost de champignons. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Tant pis, hein, c'était le défi du jour. Hein. Je vais pas le rejouer. Hein. Pour Iggy, de toute façon. Donc qu'est-ce que vous en foutez? Je le referai de toute façon. Vous inquiétez pas. Maintenant on continue. Bon, je pense qu'il sera mieux d'utiliser forcément la mise là. Niveau carte, bon bah j'y suis là, et bien évidemment niveau L. Ah. C'est vrai que j'ai ça le niveau full max. Mais je me demande si ce serait pas mieux d'utiliser ça. Peut-être que si je le cap, ça serait mieux. Mais je pense que je vais le caper maintenant, ça sera plus simple. Ouais, donc je vais le caper maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. On va le caper. Caper comme ça, il sera à 500, ça fera plus de points vers l'arrivée. Voilà. De toute façon, c'est pas grave, je sais que je vais beaucoup m'en servir. C'est elle, ça c'est clair. Allez, hop. Voilà. Comme ça, il est à 500, il est double capé. C'est bien. J'ai pas envie de trop dire que je regrette d'avoir fait ça, mais bon. Voilà, les trucs des autres packs qui nous redonnent. Ah oui, parce que Pâques c'était. Bah, c'était dimanche. C'était dimanche dernier. Ok. Bah, c'est dommage, malheureusement, que. Il me l'a fait. Mais il est en première place, quoi. Donc, forcément. Le truc qui est bien, c'est que forcément maintenant il y a des œufs de Pâques, donc forcément ça peut rajouter des points. Ça rajoute des points bonus dans cette saison. Regardez, paf, ici ça me rajoute un point et oh. Lui à chaque fois il a envie de me faire. Ah bah génial. C'est pas fini. Hein. Attention. Hop. Hop, voilà.
que ça peut faire un 40 000 à la fin, je sais pas. $40 529, ça l'a fait quand même. Je vais pas trop m'en plaindre. Comme dans Mario Kart 8 Deluxe, on n'oublie pas forcément que ça fait la petite chanson. Ah, donc ça fait bien et bien 40 000. Donc, peut-être possible de faire plus. Voilà, donc de toute façon, je vais tenter de me mettre à fond. Et là, on a l'ami Coinbox. Avec du coup ça. Sauf que malheureusement, ici, je n'ai pas trop de trucs d'amélioration. Donc, à la place, ce que je compte faire, c'est surtout de mettre ça level 6 direct. Parce que j'ai vu que je m'en servais un petit peu, celui. Pareil, on va le caper. Vous inquiétez pas, hein. De toute façon c'est des trucs. En plus c'est un Jump Boost Plus, donc je pense pas trop que je vais regretter. Le Jump Boost Plus c'est le truc que je vais utiliser le plus. Je vais pas trop le regretter. Mais même si j'ai pas regardé les stats, qu'est-ce qu'il a, je pense pas que je vais le regretter. Même si peut-être il a pas grand chose, mais je pense pas que je vais le regretter. Vous inquiétez pas, je vais pas trop le regretter. Voilà. Et ici ça sera peut-être le petit problème, c'est parce que forcément j'ai que du level 4. Mais je vais rien faire pour le moment. Je vais décider de rien faire pour le moment. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, donc, j'avais pas le Mi-Gold, j'avais certainement... Bon, j'avais Chuck, hein, j'avais Chuck Gold. Hein. Enfin, Chuck Gold, je parle pas du brawler dans Brawl Stars, j'avais... Charging Chuck en gold, donc forcément j'avais la coin box, mais j'avais pas le Mi Gold aussi pété qu'il l'a maintenant, quoi. C'est-à-dire j'étais pas encore Ligue 80 à l'époque. C'est-à-dire l'année dernière j'étais pas en Ligue 80. Donc forcément j'avais pas encore le Mi Gold, ses stats pété, quoi. Parce que maintenant le Mi Gold, il te fait une crazy coin box, il peut te carry in game. Hein. Allez. Bon après c'est pas un circuit si long que ça. Surtout qu'il me fait même pas une seule frénésie, donc écoute. Je vous dis, il y a de grandes chances que je raméliore une aile. Hein, pour justement ce circuit. Oh la bobombe! La bobombe qui a failli passer! Voilà. On est à 30 000. Et oui, merci pour la pièce d'amitié que je viens de recevoir parce que vous êtes tous connectés. Je sais que je n'aime pas ça, mais c'est pas grave. Oui. Oui. Oh mince, j'ai cliqué. Oh là là, ça c'est le problème. Non. Ça c'est le problème. Oh là 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 là. Oh là là là. On fera pas ça en fin de vidéo, tant pis. RIP, on fera pas ça en fin de vidéo. RIP. Oh. On va vider ça rapide, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Full commune, full commune, full commune. Vous n'avez rien manqué. Full commune, vous n'avez rien manqué. Là, ça peut être un peu plus intéressant. Les nuages, bientôt level 7, bientôt level 8, donc bientôt maxé. Kitou. Oh la popome verte qui passe level 5, et eh bah ben, écoute, je vais pas trop en plaindre. Deux ultra rares, ça passe. Bon, là ça va, vous avez eu deux trucs. C'est dommage d'avoir fait ça maintenant, mais bon, écoutez. Hein. Voilà, donc, ce que je vais faire, c'est lui, je vais le garder level 1. Je vais améliorer lui, je vais le garder level 1. Et les gars, vous décidez si
si je l'améliore. C'est-à-dire si je le mets bel et bien à level 6. Sinon, je m'en fous hein, des tickets de base, point de base, j'en ai un gogo que. Même si j'en utilise pour des persos. Pour les persos dont j'en ai rien à foutre. Voilà quoi. Voilà, je sais que ça va pas. Bah. Voilà, bah, je flemme d'en utiliser un juste pour ça. Voilà, donc vous décidez si vraiment je l'améliore. Décidez. Et en plus, je pense qu'il peut avoir son utilité. Il peut avoir son utilité. Ah, et le problème viendra certainement de là aussi. Parce que je n'ai pas de carte. Parce que je n'ai pas de carte. Y a-t-il pas un carte en acrobatie? Regarde, ah si, il y a lui, mais je crois que lui n'est pas disponible. Il n'y a pas de lui par hasard? Si, il y a peut-être lui, donc. Je verrai au cas où s'il n'y a pas un carte en acrobatie, et donc du coup. Ah oui! Ah oui, je comprends. Ah oui, je comprends le gros problème là. Oh là là, j'avais pas regardé ça. Ouh, j'avais pas du tout prévu ça. Je n'avais pas du tout prévu ça. Bon bah les gars, il y aura une petite session de dépenses de rubis à mon avis. Hein. Et de tickets aussi. Malheureusement, je pense que je n'aurai pas trop le choix de faire une session de dépenses de rubis et de tickets. Si vous voulez vraiment me conseiller sur quoi acheter, bah. Je vous conseille de dire maintenant, de me dire dans les commentaires, de m'aider. Si jamais vous savez quoi acheter, si jamais vous dites achète ça pour cette course, c'est bien, vas-y, améliore tout ça, c'est mieux. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, moi je prends tout. Hein. Surtout que vous avez vu mon nombre de rubis, il est à 1000. Hein. Il est à 1000. Hein. Donc ça me gêne pas du tout de dépenser 200 rubis. Pour acheter certainement des cartes et des ailes. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est juste une première place de base, hein, pour au moins dire que j'ai fait mes trois premières places d'affilée. Là, je m'en fous du score sur cette course pour le moment. Bon, j'ai un peu utilisé Ticketard, mais c'est pas grave. Je l'ai utilisé pour rien, mais tant pis. Tant pis, c'est pas grave, surtout que c'est pas la course où je vais faire du score. Ok. La course est plus longue, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai que tu fais beaucoup de tours. Hein. Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire mes premières places. Pas 15 000 points, malheureusement, dommage. Donc, on va s'arrêter sur un 80 000, même si malheureusement, 85 000, malheureusement, parce qu'à cause de cette course, ouais, 85 000, c'est pas énorme. C'est pas énorme, malheureusement. Bon, alors, forcément, je suis le seul qui a joué, donc logique que. Voilà, donc, logique, forcément, que ça passe. Donc, paf, on va faire ça. Parce que la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu, mais c'est normal, j'ai fait beaucoup d'explications, j'ai montré beaucoup mon temps. J'ai perdu beaucoup mon temps sur les cartes et puis sur l'explication des cartes et puis tout. Et surtout que là en plus on est sur un contre-la-montre, donc ça aide pas du tout. Un contre-la-montre, ça aide pas du tout. Voilà, bon, ils ont utilisé énormément ce shortcut, hein, c'est assez clair, hein, tout le monde le connaît que c'est l'un des shortcuts les plus abusés du jeu, surtout que. Surtout que dans Mario Kart 8 Deluxe, parfois tu peux même le prendre gratuitement sans avoir un champignon. Donc en gros, c'est limite le shortcut le plus free du jeu, quoi. Le plus free et en plus, ça te donne tellement un avantage. Ça donne tellement un avantage, c'est abusé.
Voilà. Presque 50 secondes. Très bien. Bon, pas grand-chose. Ouais, ça va éclairer, ça va. En même temps, c'est un contre-la-montre. Hein. C'est vrai que c'est chiant parce que c'est long, donc forcément, c'est long. Tu dois faire encore. Tu perds ton temps à refaire encore deux fois le tour. Surtout si le circuit est long, donc forcément, la vidéo va être beaucoup plus longue. Elle fait déjà plus de 20 minutes. Donc d'habitude, mes vidéos font 18 minutes. Hein. Les vidéos de première partie font 18 minutes. Là, fait 20 minutes quasiment. Donc, voilà. Très bien. C'est bon, on va juste récupérer les tickets d'objets. Merci. Voilà, tant pis, hein, pas eu grand-chose. Voilà. Et on va enfin pouvoir arrêter la vidéo maintenant. Ça y est, ça y est. Merci Nono. Alors, donc 85 000, hein, malheureusement c'est pas suffisant, hein, c'est clair. Wow. Ouais, mais ça sera pas suffisant, ça sera pas suffisant parce que là ça va vraiment pénaliser. Encore sur le reste ça va, mais là ça va pas me pénaliser, ça va me pénaliser. Voilà. Encore j'ai 52 tickets dans chaque, donc ça peut aider, mais. Les gars! S'il vous plaît, aidez-moi sur ce circuit. Est-ce que je dois vraiment améliorer ce mi-là? Et ici, qu'est-ce que je dois acheter comme carte? Et qu'est-ce que je dois acheter d'elle? Voilà. Si vous avez le courage de me dire en commentaire qu'est-ce que je dois acheter, allez-y. Allez-y. Mais bon, en tout cas, je vous dis quand même merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté au moins jusqu'au bout si vous êtes là. Hein, merci. Hein. Faut penser aux gens qui sont là et qui regardent toutes les vidéos jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Bonne chance à vous. Hein. N'oubliez pas que ce Yoshi-là, vous pouvez l'obtenir qu'une fois et c'est votre chance. C'est votre chance uniquement. Voilà. Merci d'avoir regardé et à plus pour une prochaine. Salut!